Bon, nous voilà dans un ancien bar que je dis quand tout le mécanisme. Par ici, il y a quoi ? Je peux le tourner vite fait parce qu'on m'attend. C'est très sombre. J'ai oublié de prendre ma lampe de poche comme un con. Voilà le bar. Superbe. Par derrière. Ouais, tiroir caisse. Tanterbro, la bière des héros. Ouais, le vieil original. Il va dater celui-là. PlayStation dessus. Délire. Un vieux Schweppes. C'est ouf. C'est où que j'arrivais. Là-haut, il y a le jeu de qui. Par ici après. Une salle à vivre. Le hall sûrement. Qui mène à l'abreuvoir. Ici, pas grand chose à déclarer. Que de la merde. Bien intéressant. Du carrelage. Bon, bah, pourquoi pas. Chacun a fait ce qu'il veut avec ses caves. Petit fauteuil. Sympathique. Pièce vide, c'est une banquette. Bon, l'intérêt premier était bien sûr au rez-de-chaussée. Mais bon, tant qu'on est là, on va faire le tour. Une banquette encore ici. Dans le grenier. Maison à côté, ici le matin, je sais plus.
comment c'était le passage. Donner pour tout le monde. C'est sans squat, tranquille. Le passage de la Muerte. Les pains tombent tout seul. Petit pack, petite chose. De toute beauté. Celui-là aussi. Charmant à souhait. Dans le milieu, c'est juste une blague. Escalier. Bon, vide de cheville. On va quand même laisser les rideaux. On va garder une petite touche girly. Amical, tu vois. Bon, voilà. Bon, je fais le tour vite fait parce que je me suis fait niquer par tout le monde. Je vais juste vous montrer cette belle voiture. Tout le monde qui est à la fenêtre, tout le monde qui est partout. Là. Ça y est, c'est... Je vais pas d'appeler les flics, c'est con. C'est pour une vidéo. Oh, regardez, il y a un paquet de temps. Voilà, bon. Tu le dis depuis longtemps. Je vais y aller. Une belle petite voiture. Bon, je me suis vite tiré parce que ce bled était rempli de balances. J'ai fait juste le tour de la maison. Il y a trois personnes qui m'ont calé et c'était là en train de me regarder d'un air. C'est ce voyou là qui traîne autour de cette maison abandonnée. Donc j'ai tracé, je me suis cassé au plus vite. Normal. Une question que je me pose souvent, si y a des gens qui sont croyants, pourquoi sur certaines tombes il y a des têtes de mort? Je comprends pas, je ne sais pas.
quel est le symbolisme de ceci? Par contre, il y a des cons qui sont amusés. Même pas un respect pour les lieux de culte. Mais bon, je trouve ça quand même ouf, cette tête de mort. Voilà, on se retrouve dans un petit ossuaire vraiment sympathique. Regardez-moi ça. Il n'est pas très grand, hein, comme vous pouvez le constater. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Bon, ça fait une demi-heure que je cherche une entrée pour cette base militaire. Je crois que j'ai trouvé. On se retrouve à l'intérieur, on verra bien si c'est fructueux ou pas. Allez, à toutes. Voilà, j'ai réussi à m'infiltrer dans la base. Je suis à un endroit qui semble être un ancien stand de tir. Je suppose. Maison à côté, là, on va voir ce que ça donne. Rien d'extra. Je vais regarder par rapport à la carte GPS où je me trouve des bâtiments. Je vais me rapprocher doucement. Je vous reprends. Espèce de bâtiment un peu chelou, pas arrondi, je sais pas à quoi ça pouvait servir. Complètement vide. Ça fait plaisir, pour une fois il y a du soleil ici. Le deuxième. Voilà, là on arrive enfin là où je voulais arriver. Après pas mal de marches, c'est immense. Il y a de la végétation partout.
perquis de la casquette. Le printemps arrive. La végétation a bien repris ses droits par ici. Pas de doute possible. Oh, oh. Aïe. Ouf, on arrive derrière la grande maison. Encore un petit effort et on est dedans. C'est sûr que ça allait être une ruine. C'est une petite cheminée avec les petits arbres qui poussent. C'est pas mal. C'est joli. À mon avis, pour monter... Ah putain, c'est mort. Comme ça bouge. Je suis un peu cramé dans ma tête, mais il y a des limites. Oh, même ça. On peut monter en toute sécurité, aucun doute. Petite entrée de la maison. Bien me casser le cul pour pas grand chose. Je vais faire quelques clichés. Et puis on va se retrouver au prochain bâtiment vu qu'ici il n'y a pas beaucoup de moyens de monter. Il y a aussi une belle tapisserie là. Belle tapisserie old school. Bon, on est à l'intérieur du bâtiment. On va essayer de rentrer tant bien que mal. Ma belle qui a abandonné à côté de moi, je crois que c'était quelqu'un qui parlait, tu sais. Bonne petite parano. Petite peinture. Avec des chars. Seulement il pourrait y en avoir qui traîne. Ça m'intéresserait bien. Salle d'eau. La douche complètement foncée.
à Obélix. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pièce rose, ok. Beaucoup là. Salle bleue. Salle rose. Salle verte. Salle verte. Pas mal cette petite vue là. De bâtiments, enfin, avec que de la ruine, je me suis fatigué pour pas grand chose. Oh, faut être toujours gagnant. Petite chaise. Là j'ai oublié que j'ai visité quoi. Ils l'ont vraiment oublié. Petite végétation sur la fenêtre là, c'est bien. C'est sympa. On a toujours pas d'accès aux étages. Cette vue est quand même pas mal. Bon, il semblerait que ce soit exactement la même. Ouais, grande chance. Il n'y a rien aussi. On est sacrément à la mission ici. Là. La copie conforme, et là il y a un ballon d'eau qu'il n'y avait pas dans l'autre. Ouais, ouais, super. Allez, là, il y a les derniers baraquements. Normalement, il y en a 4 comme ça. Toujours aussi vide. J'ai fait 40 km à pied pour que dalle. On se prend en coup, ça nous intéresse. Alors à côté, toujours
Voilà. C'est à l'étage. C'est plus la pièce de ça. Chance d'avoir une belle lumière aujourd'hui. Oh, c'est quoi ça? Voilà. Oh, c'est une cuisine. Le mec il rigole pas quoi. Le Rabelais plus tranchant que ça, ça n'existe pas. Ça devait être pour les animaux très certainement. Quelques photos et puis on va aller au dernier. Tu vas s'en aller hein. Qu'est-ce que ça peut être ça? Des douches improvisées? Des chiottes? Je sais pas. Toilette sèche. Un bras de torture. T'as une idée. Bon bah je crois que j'ai tout fait. Les deux autres bâtiments que je croyais, c'est ceux que je venais de faire en fait. Donc on va essayer de sortir d'ici maintenant. Ça va pas être une mince affaire. Il y a de la borne. Il y a beaucoup de bornes. Bon, j'espère que ça vous a plu malgré tout. C'est pas mal de ruines, mais bon. Avec quelques petits plans sympas. On va se taper le cul par terre, comme j'aime bien dire. Mais bon, c'est déjà ça. On profite du soleil. On profite du beau temps. Alors qu'on soit confiné à la maison. À cause de leur connerie de virus de mes couilles, là. Enfin voilà, en espérant que ça dure pas, qu'on nous fasse pas trop chier. Bon, je tombe sur un petit truc là, sur le retour. Ça a l'air bien méchant, mais on va aller voir ce que c'est quand même. Oh là là. Végétation, catastrophe. Ah, ici, en été, ça doit être impraticable. Oh. Oh. En dépôt arrondi vide. Les pieds dans l'eau.
croyais voir à côté. Je croyais voir quelque chose. Oh la vache. Un sportif l'urbex, ça. Hein. On est bien sur son canapé à regarder la vidéo là. Magasin. J'espère qu'ils ont du PQ parce que là je suis en galère. Ah putain, il n'y a plus de PQ, il n'y a plus de pâtes. Comment je vais faire? Eh merde. J'espère qu'à côté il y a du PQ et des pâtes. J'ai besoin de 472 rouleaux de PQ et 312 kg de pâtes. J'espère qu'il va y en avoir. Magasin numéro 2. Ah, il a l'air plus grand celui-là. Attends, mais c'est pas possible. Non. Le confinement, je le fais comment, moi? Je mange des feuilles mortes? Bon, bah tant pis. Hein. Bonjour des cailloux. Troisième magasin, quatrième magasin. Donc, tout c'était dévalisé, tout ça. Ça sert à rien de s'obstiner. On n'y trouvera rien. Bon, faut devoir chercher. Hein. Quatrième, même un cinquième à côté. Beaucoup de magasins ici. C'est pas un rayon. Rien. Même pas un caddie. Abusé. Encore un à côté là. C'est fou. Encore un magasin, il y en a encore un à côté. C'est ouf. Combien ils ont besoin de magasins? Là c'est des militaires. Il leur faut un article par magasin, sinon ils sont perdus. S'ils n'ont pas un instructeur pour leur dire quoi prendre. Ils sont morts les mecs. Ah, je déconne bien sûr. Hein. C'est des militaires qui me regardent. This is a joke.
consomme tout le temps la même chose, je sais pas si ça se dit. Mais je sais pas, j'avais envie de dire somme toute. Tu sais, des fois t'as envie de dire des trucs, je sais pas pourquoi. Là c'était le cas là. Bon, bah, toujours magasin. Pas une discothèque, je sais pas, un bar. Bar à smoothie. Parce que là, je commence à avoir soif. Oh merde. J'ai toussé. Ne vous inquiétez pas. Vous prenez rien derrière l'écran. Van de merde. Joe la van de merde. Allez, je commence à être un peu fatigué, je pars en couille. Bon. On va essayer de trouver la sortie parce que là je sais pas où je suis. Allez. Ciao. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Je suis éclaté. Bon matin, j'ai un petit rendez-vous. Donc j'espère que vous avez kiffé. Likez, pouce bleu, on s'abonne, on partage, on like. On plébiscite, je sais pas, on fait un maximum en tout cas. Je vous kiffe, je vous fais des bisous et à bientôt.